Bienvenue dans ce nouveau stream qui sera intégralement bruité à la bouche. Si je retrouve le micro d'ailleurs. Micro? En être au point où tu ne vois plus où tu as mis le micro sur le bureau, c'est gravissime. Micro? Je ne plaisante pas, j'ai paumé le micro. Alors attends, je vais remonter le câble. Il a dû le montrer par terre. Oui! Il était dans le sac de nos de films qui sont par terre. Est-ce que tu m'entends bien alors? Et voilà. Donc, ne reculons devant rien, des investissements toujours plus nombreux. Aujourd'hui, nous allons faire une opération à cœur ouvert dans les entrailles de l'histoire du shmup avec BioAttack. Alors, vous voyez la date? Eh oui, 1983. On prend cher là. Alors, je me permets d'avoir des doutes sur la jouabilité. Je me permets également de dire que ben, le jeu va tourner très très vite par rapport à ce à quoi il était prévu. Donc il risque de ne pas y avoir grand-chose à voir sur l'écran. On va voir si c'est ma pure médisance chronique qui me fait dire ça, et qui en fait dissimule derrière un masque de vilainie toutes les qualités de ce shmup, mais je pense sans trop m'engager qu'on va rapidement faire le tour. Je sais pas pourquoi. Intuition masculine, on va dire. J'ai peur. J'ai très peur. Bon, je pense qu'il y a le bouton de tir et qu'il n'y en aura peut-être pas d'autre. Je vais essayer dès le début, je crois. Ça ralentit un peu. Alors, je ne maîtrise pas le ralentissement. Je ne sais pas pourquoi ça ralentit. On sent le développement acharné sur un Z80. Et encore, quand je dis Z80, c'était peut-être même moins puissant que ça. Je suis perplexe moi aussi parce que je sais pas comment je vais essayer d'avancer jusqu'à un boss s'il faut tout redémarrer du début à chaque fois. Faudrait que j'essaye le bouton droit, voir si j'ai quand même une super bombe. Mais bon, 1983, on n'avait pas trop inventé les super bombes, il me semble. Hein. Puis alors, ces ralentissements. Oh! Et la hitbox fait plus que la taille du vaisseau, apparemment. Non, il n'y a pas de bouton droit. Il n'y a pas de bouton de super bon sur le côté. On n'en verra jamais le bout, les gars. Je sais pas quoi vous dire. C'est un shmup. Il fait partie de l'histoire des shmups. Mais on l'a oublié. Et je commence à comprendre pourquoi on l'a oublié. Parce qu'il était tout à fait oubliable. Là, on touche donc une des vérités du gamer qui est dans les très très vieux jeux. On avait vraiment du courage de se tartiner ces trucs. Parce que plus que du réflexe et de l'habileté, c'était surtout de la mémorisation. Ce jeu n'est pas d'ailleurs sans me rappeler Venture, qui m'avait demandé des efforts justement de mémorisation assez fabuleux pour en voir le bout sur la ColecoVision. C'était un poil hardcore. Oh, les fumées, ils ont des déplacements. Ah, mon tir, il est tout moisi. Moi, je peux que me marrer quand je vois ça. Attends, je suis en train de faire un super play là. Je viens de tirer dans un œuf au plat. Alors, je sais pas ce qui était censé représenter. En tout cas, il y en a beaucoup, hein. Apparemment, faut se servir des ralentissements pour. Parce qu'apparemment, le vaisseau voilà, peut faire piou-piou deux fois. Une fois qu'il a balancé ses deux tirs, faut attendre qu'il sorte de l'écran pour pouvoir à nouveau arroser. Bah. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un boss? Non! Je crois que je vais affronter le foie ou l'estomac. Ah. Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu! C'est dommage qu'on puisse pas recommencer à ce niveau-là, je présume. Parce que du coup, ça m'aurait bien amusé de. Je comprends pas trop ce que ça représente en plus, les trucs au-dessus. On va dire que la pompe, c'est le cœur. Je sais pas, un ventricule. Ce jeu va rester un mystère. Je vais arrêter le stream ici avant d'être mort de rire. Parce que c'est peut-être pas vraiment utile de s'étaler sur un jeu quand il est trop trop bien. Voilà, c'était le scream pur vintage sur ce jeu totalement dispensable qu'est BioAttack.
Je vous laisse juger si vous êtes un collectionneur acharné, que vous êtes capable de le finir. Faites-nous un beau stream. Moi, je passerai mon tour sur cette action. Je vous fais des bisous et je vous préviens d'avance que dans le prochain tour, on ne parlera pas des morceaux de cheval qu'on peut trouver dans les brioches tressées. Et pas stressées.